Regardez à présent ce chiffre très important publié aujourd'hui par l'INSEE. Important car il est un peu moins pessimiste que les prévisions faites jusqu'à présent. Le recul du produit intérieur brut en 2020 ne sera que de 9%. L'Institut de la statistique prévoit un net rebond de l'activité au troisième trimestre. Et effectivement, malgré la crise, certaines entreprises se portent plutôt bien. Exemple chez un imprimeur et dans une chaîne de restaurants près de Rennes. Fabien Chadeau et Renan Elec. Faut que ça sorte les desserts. C'est reparti là, coup de feu. Enfin, un service à peu près normal. Un moment qu'elle attendait depuis des semaines. Début juin, on nous aurait dit ça, on n'y pensait pas du tout. Donc c'est un vrai plaisir quoi. Allez, je vous installe par ici, messieurs, dames. La reprise a été beaucoup plus forte que prévu. La directrice de ce restaurant à Rennes redoutait d'avoir très peu de clients. Ils sont finalement aussi nombreux qu'avant la crise et consomment plus. Ils font plus plaisir qu'auparavant. Du coup, on voit nos ventes d'apéritifs exploser et les ventes de desserts aussi qui font des progressions incroyables par rapport à l'avant-crise. Comme si les clients rattrapaient aujourd'hui 2 mois de privation. Ça a été notre première sortie. Et on compte bien y revenir. On se fait davantage plaisir. Voilà. Et ben, on va plus souvent au restaurant. Même constat sur les 200 restaurants du groupe. Au plus fort de la crise, la direction tablait sur une baisse de 40% du chiffre d'affaires. Elle ne sera finalement que de 20%. C'est vraiment beaucoup mieux que ce qu'on imaginait. Et ça nous permet d'ailleurs de confirmer le plan de développement de l'enseigne qui était prévu. On va ouvrir sur l'année 25 restaurants. Soit la création de 550 postes en CDI pour 2020. Se remettre aussi vite de la crise sanitaire, impossible, croyait cette entreprise spécialisée dans la fabrication de cartables, d'agendas et de fournitures pour la rentrée scolaire. Car l'épidémie a frappé au pire moment, à la mi-mars, quand les ateliers lancent la production. Pour honorer les commandes et éviter le pire, certains chefs d'équipe comme Mireille sont venus travailler en usine. On a prêté main forte à l'atelier pour essayer de sortir le plus de commandes possible. Pour éviter effectivement les retards de production. Résultat, tous les clients ont été livrés et l'activité de l'année ne devrait que très peu baisser. Au global, je vous dis probablement une baisse de l'ordre de 5 à 6%. C'est pas une bonne nouvelle en soi, mais ça reste extrêmement mesuré. Il y a 2 mois et demi, jamais je vous aurais dit ça, jamais. Une prévision optimiste, conditionnée néanmoins à l'absence d'un reconfinement si une nouvelle vague d'épidémie se déclarait cet automne.